Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aurais dû jeter mon chewing-gum avant de faire la vidéo. Pas grave, on va arrêter de mâcher. Alors pour tout te dire, en fait j'avais reçu une très jolie carte cadeau de chez Cultura à Noël. Ça remonte à Noël, hein. Mais j'avais pas pu dépenser cette petite carte avant la sauve week-end. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai eu une jolie carte cadeau à Noël. Par la famille. Voilà. Et j'ai aussi, parce qu'au mois de mai c'était mon anniversaire, et j'avais reçu en mail comme quoi que j'avais le droit à 5€ en plus. Bien, une carte cadeau plus 5€ en plus. Mais c'est génial. Merci Cultura. Et du coup, bah, je voulais te montrer ce que j'avais acheté chez Cultura. Il n'y a rien de sorcier, hein, c'est des trucs classiques, tout simple, qui concernent la polymère, bien évidemment. Mais voilà, je voulais te partager mon petit plaisir parce que je me suis fait plaisir. Gratuitement. Yes. Alors ça, j'adore. Je lui ai dit que je faisais plus de haul action, mais rien ne m'empêche de faire des haul Cultura ou n'importe quel autre magasin. J'ai le droit, ça. Je fais ce que je veux, non? Voilà, alors je le fais. Point barre. Moi, je voulais juste partager ma joie. Ah, je suis contente, alors je partage. On s'en fout quand même. Le sac a un petit peu vécu, hein. Il fait la gueule. Mais bref, tout est là-dedans. Alors, c'est parti, on y va. Donc, voilà, en gros, mes derniers achats chez Cultura. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai pris des enveloppes bulles. Un lot de 10 sachets, de 10 enveloppes bulles, voilà, tout simplement. Et j'adore cette taille-là. Elle est toute petite, rikiki. Et j'en trouve nulle part ailleurs que chez Cultura. Jusqu'ici j'ai que des grandes et j'en ai marre des grandes parce que parfois c'est plus pratique d'en avoir des toutes petites. Et donc les 10 enveloppes c'était 2,99€, pardon. 3€ les 10 enveloppes, moi je trouve ça bien, non? Bref, voilà, j'ai des petites enveloppes bio. Ça a pas l'air comme ça, hein, mais il y en a 10, c'est compressé en fait. J'ai repris de la Fimo liquide et du vernis Fimo. Fimo jusqu'au bout. Donc le vernis Fimo il était à 5,99€ et la Fimo liquide à 8,49€. J'ai déjà commencé à utiliser le vernis mais on dira rien. Hein. Vernis dans son emballage, ni vu ni connu. Moi j'utilise que celui-là et je l'adore. Je me suis fait plaisir avec la résine. Ouais, là je suis trop contente, ça faisait longtemps. Je vais pouvoir m'amuser à refaire plein de petits bijoux en résine. Donc j'ai pris de la résine cristal et de la résine de glaçage. La résine cristal elle était à 11,99€ alors que la résine de glaçage elle était à 15,29€. C'est énorme la différence de prix, hein, alors que c'est de la résine. Exactement la même quantité, mais bah, vu que la résine de glaçage est plus... Enfin bref, voilà. Mais quand même 3€ de différence pour ça, ça... Hein. Voilà. Et on s'en vient. Et il y a Cara, ton cul, on voit ton cul, Cara. Bah oui, mais... Et pour finir, je me suis fait plaisir avec les pains de Fimo. Ils étaient tous à 1,99€. Ils ont un peu augmenté leur prix, Cultura, parce qu'avant, ils étaient à 1,59€. Et là, ils sont passés à 1,99€. Oh, ça fait un bon moment qu'ils sont passés à ce prix-là, mais bon... Merde, fait chier, quoi. Alors, d'habitude, j'attends toujours qu'il y ait des promos sur la Fimo pour en acheter, mais bon, là, grâce à la carte cadeau, je me suis dit, allez, hop, j'en ai marre d'attendre. Alors, on se fait plaisir. Donc, en tout, j'en ai pris 14 petits pains. Donc, j'ai pris le gris argenté, du vanille, du caramel, du doré, du rose gold, du framboise... Deux pains de Sahara, du nacré, du translucide, du vert pomme et du rouge indien. Et voilà. Et il me manque deux couleurs que je n'ai pas trouvées. Mais c'est pas grave, on verra ça pour plus tard. J'en ai repris deux en Sahara parce que j'en avais plus du tout. Et pour une vidéo tuto, j'en avais absolument besoin. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon tuto que je voulais faire depuis un petit moment. Ça c'est cool. J'ai repris les couleurs que je n'avais quasiment plus. Tout simplement, comme ça j'ai refait mon petit stock. Et donc voilà, mon petit plaisir chez Cultura. Moi je suis contente. J'ai plein de petites choses gratuites alors. Enfin grâce à une carte cadeau. Mais je me suis comprise. Voilà. Donc voilà mes derniers petits achats chez Cultura grâce à une jolie carte cadeau. Et j'ai pu me faire plaisir. Moi je suis contente. Donc bref, ben, j'en ai fini avec cette vidéo, donc même si c'est qu'un haul Cultura qui a rien de sorcier là-dedans, et ben, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, tu me dis tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et puis ben, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.